tous. Bienvenue à la séance du conseil municipal du 11 juillet 2022. Donc, comme d'habitude, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Donc, bonne séance. Merci. Donc, au niveau de l'ordre du jour de ce soir, c'est point 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption des procès-verbaux des séances des 13 et 29 juin 2022 et dispense de lecture. 3. Tours de table des officiers. 4. Questions aux officiers. 5. Directeurs financiers comptes à payer au 30 juin 2022. 6. Politique familiale et mandat. 7. Greffe. A. Vente pour défaut de paiement de taxes municipales. Mandat au trésorier pour enchérir. B. Nomination d'un maire suppléant juillet 2022 à mars 2023. C. Destruction de documents inactifs reproduits sur un autre support. 8. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, rien d'autre jour. 9. Directeur de service incendie. A. Schéma de couverture de risque, demande à la MRC de modifier le schéma. B. Sauvetage nautique, entente pour l'utilisation d'un bateau pneumatique privé. 10. Directeur de travaux publics, rien d'autre jour. 11. Directeur général, station de suppression Saint-Hilaire, réparation. Appel d'offres sur invitation. B. Entente de servitude de l'eau, 5 293 571 et 5 293 439. Égout sanitaire, autorisation et mandat. C. Piste d'athlétisme, implantation pour construction, mandat arpenteur. D. Question d'incendie, RECIM, décompte progressif numéro 2, MFT et FIS. E. Projet de déconstruction de l'ancienne quincaillerie Baie-Mère, fonds municipal vert, régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Autorisation. 12. Urbanisme. Adoption du règlement UGR-017, modifiant le règlement de zonage U-006-0319 de la ville de Grande-Rivière. B. Demande de permis de construction rue Manon. L'eau 5 650 108. 13. Informations conseil, correspondance. 14. Tour de table des conseillers. 15. Période de questions. 16. Lever la séance. Donc, au point 1, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, donc tout le monde est présent. Il est dûment proposé par et résolu. Il est même présent que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. Proposé par Mme Nicolas. 2. Adoption des procès-verbaux des séances des 13 et 29 de juin 2022 et dispense de lecture, considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu une copie des procès-verbaux des séances des 13 et 29 juin 2022 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est dûment proposé par et résolu que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances passées suivantes, séance ordinaire du 13 juin 2022 avec dispense de lecture, puis résumé de la séance extraordinaire du 29 juin 2022. Avant de proposer et d'adopter, monsieur le directeur général, voulez-vous faire un résumé de la séance extraordinaire du 29 de juin, s'il vous plaît? Oui, certainement. Donc, le premier point à l'ordre du jour, le projet de prolongement du réseau de caducs et d'égouts sanitaires, secteur rue du Moulin. Fimo Groupe Michel Leclerc Inc., autorisation de paiement numéro 6. Donc, à cette séance-là, c'était le décompte progressif numéro 6. OK. Mais c'est parce que j'ai pas le montant là, monsieur, mais c'est pas grave. C'est juste que la séance précédente, on avait autorisé un paiement partiel de 380 000. Puis finalement, c'était le total, c'était plus de 800 000. Fait que là, on a autorisé le paiement final là, de 500 quelques mille supplémentaires. En séance extraordinaire. Oui. Donc, à la demande de l'entreprise de décaisser rapidement les montants. Ensuite, à la demande de l'entrepreneur, puis avec la firme d'ingénierie. Oui, c'est ça, avec la recommandation. C'est ça. Oui, c'est ça. Ensuite, l'achat du lot numéro 5 292 872, c'est un lot qui était situé dans la zone industrielle ayant frontage sur Grande Allée Ouest. Donc, c'était, j'avais eu le mandat du conseil municipal de négocier avec le propriétaire. Donc, on l'a négocié selon mon mandat, soit selon l'évaluation de valeur marchande. Puis, on a fait un offre final. Donc, on peut procéder officiellement à l'achat. Donc, on a fait le rendez-vous
chez le notaire pour pouvoir transiger. Le projet de lotissement, 5 millions, le même terrain, 5 292 872, mandat LSAG, c'est que parmi les projets qui étaient sur ce terrain-là, on avait un besoin de lotissement pour répondre aux besoins du projet de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Gaspésie, ainsi que celui d'Actibec 2000. Mais considérant la grandeur du terrain, c'est qu'on a décidé de subdiviser, de maximiser l'utilisation du terrain. Après rencontre avec les deux entreprises, on a établi les besoins superficiels. Puis ensuite, on a subdivisé on a fait subdiviser par Leblanc, Arpenteur Géomètre, le reste. Donc, c'était le mandat qu'on donnait à l'arpenteur. Branchement résidentiel, secteur rue du Moulin, entreprise d'Auteuil, autorisation d'ajustement au contrat. Donc, pour faire une petite histoire courte là-dedans, c'est qu'au début, on avait 45 demandes de branchement. Après avoir soumis l'estimation des coûts aux citoyens, on a passé de 45 à 20 contrats de branchement. Donc là-dessus, il y avait, sur les coûts, là, on avait réparti les coûts de mobilisation et les coûts d'opération de la machinerie. Mais c'était réparti sur 45 dossiers. Donc là, vu qu'on avait soumis les prix aux citoyens, la ville a dû assumer le supplément des coûts des 25 autres qui avaient laissé tomber le programme. Donc la ville l'autorisait d'ajouter le contrat pour les pertes encourues là, à cause de ces pertes de contrat-là de 18 700 $. Ensuite, le ministère Forêt, Faune, Parc du Québec demande autorisation de commerce pour le territoire faunique structuré autorisation. Donc, ce qui s'était passé avant la séance ordinaire, c'est qu'on avait reçu une communication du ministère concernant les activités de kayak sur la rivière. Donc, on avait eu... les gens du ministère avaient été... appelé par les gestionnaires, la société de gestion de la rivière Grande-Rivière. Donc, nous, ce qu'il fallait faire, c'était de déposer officiellement une demande d'autorisation de commerce avec les justifications, pourquoi nous autres, on voulait tenir ces activités de kayak sur la rivière, là, mais en tout cas, c'est le comité de loisirs. Donc, on a reçu tous les documents de leur part. Puis, la demande n'est pas encore déposée. Toutefois, j'avais besoin d'une résolution du conseil municipal pour me mandater à le faire. C'était tout, monsieur le maire. Parfait, merci. Fait que si les gens qui étaient présents à cette séance extraordinaire-là, supputaient qu'au fond, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par monsieur Gaston. Gaston Leblanc. Parfait. Donc, on s'est rendu autour de table des officiers. Donc, monsieur le directeur général, je vous repasse la parole. Je vais commencer par le plus gros projet qui est presque à sa conclusion, le prolongement du réseau d'Acaduc et d'Égout. J'aurais aimé que la séance se fasse demain soir parce que la réunion de chantier là, elle va se tenir demain. Par contre, là, si vous pouvez remarquer qu'on est dans des travaux de finition. Donc, pour les secteurs, le secteur rue de la Bellevue, rue de l'Horizon, on a commencé à faire la finition des terrains avec la terre de finition. Puis, on avait une liste qu'on avait établie avec Tetra Tech QI, le responsable du chantier. Donc, on a une longue liste de travaux à réaliser. On a plus d'une cinquantaine de travaux. Qui sont en dehors, en marge là, des travaux d'installation de la canalisation. Je vous dirais qu'on n'a pas encore fait la moitié. Donc, pour les deux prochaines semaines, ça va être ce type de travaux-là qui vont être faits. Puis avec un suivi serré. Demain, justement, pendant la rencontre, on va faire un état d'avancement des travaux de finition de ces derniers travaux-là. Ensuite, pour les travaux de branchement, bien, ça suit son cours. L'entreprise d'Auteuil, eux autres, ils ont presque terminé. Je pense qu'ils vont quitter demain ou après-demain. Là, question de finaliser leurs travaux de finition sur le terrain, eux autres aussi. Par contre, mettons dans le mot du maire, on voulait apporter des éclaircissements par rapport aux derniers travaux. Oui, on a fait les travaux de branchement de la rue jusqu'aux maisons. Par contre, les maisons ne sont pas encore branchées. Donc, on va essayer
d'assister des gens, avec, les accommoder avec d'autres manières, tu sais, d'autres manières de faire pour les derniers trois pieds qui restent à faire, là, le 1 mètre. Des fois, il y en a que c'est moins, mais on va donner un petit peu plus d'informations dans le monde du maire tout à l'heure. Pour les travaux d'asphaltage, peut-être que je pourrais en faire le suivi pour rue de l'Azur puis toutes les autres rues. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs programmes d'aide financière pour les différents travaux d'asphaltage, mais je tiens à vous rassurer, là, on a parlé aujourd'hui avec Pavage Eurovia. Présentement, sur le territoire, il y a des travaux qui sont en cours, des travaux qui sont somme toute mineurs dans le secteur de Chandler. Mais ensuite, il n'y a pas d'autres travaux au calendrier. Les seuls travaux majeurs qu'il y a dans la MRC du Rocher-Percé sont tous à Grande-Rivière. Donc, en principe, les travaux d'asphaltage pour l'ensemble des tronçons de la municipalité, je vous les nomme, là. Donc, dans le secteur des 40, il va y avoir la rue de l'Azur. Après ça, il va y avoir... ça, c'était dans un règlement d'emprunt. Mais pour le PAVL, le programme d'aide à la voirie locale, on va avoir la rue des Pionniers, une partie de la rue, c'est-à-dire que toutes les rues vont toutes être asphaltées, là, mais ça comprend une partie de la rue de Bellevue. Mais la rue des Pionniers au complet jusqu'à la rue de 132. La rue de l'Horizon aussi, c'était PAVL, donc on a combiné les deux. La rue du Ruisseau, rue de la Croix. Rue du Moulin, c'est dans le cadre du projet de prolongement. Là. Ça fait que là, c'était dans un autre programme d'aide financière. Donc, c'est rue du Moulin au complet. Donc, à partir de la première semaine de août, toutes ces rues-là vont être pavées de A à Z. Là, il nous reste, on a encore identifié quelques travaux à faire sur rue de la Bellevue. Il y a des sections de rue, ce qu'on devait changer. On a tout fait les fossés, on aurait fait les entrées chartières. Il y a encore des travaux mineurs à faire sur une canalisation là, pour l'évacuation des eaux pluviales. Ça, il en reste une. Plus une entrée de maison, là, on s'est aperçu qu'il y a un tuyau il n'y a pas d'extrémité. Donc, on va résoudre ça avant de faire les travaux de pavage officiellement. Puis encore là, on avait eu un autre programme d'aide financière du ministère des Transports qui était différent des autres. Mais on a décidé, vu qu'on faisait le secteur au complet, d'attribuer le plus de 50% de ce budget-là au secteur de la rue des Pionniers, une partie de rue Bellevue. L'autre partie, on va faire les travaux sur la rue du Parc, dans le coin là, des logements locatifs là, qui sont au-dessus de la première côte. Fait que là, on a des problèmes à chaque année au niveau de l'écoulement des eaux. Si ça coule pas à peu près, on doit faire des travaux correctifs à chaque année. On a déjà fait une partie aussi sur la rue de la Source, au coin de la rue du Carrefour. Ça faisait 3 ans qu'on en refaisait toujours ces fossés-là. Fait qu'on a fait mettons le profilage là, des fossés, puis on a rabaissé les accotements là, un peu partout. Fait que là, je pense que ça va être la donne pour les prochaines années. Les accotements qui sont plus hauts que l'asphalte, là, ça apporte des problèmes majeurs, puis ça diminue, ça réduit beaucoup l'espérance de vie de nos chaussées. Ça fait qu'on va essayer d'y aller par secteur, puis donner un gros coup pour que ce soit réglé pour plusieurs années avant de passer à d'autres. Je pense que c'est la façon la plus efficace qu'on a trouvé d'intervenir. Si je reviens, c'est là, j'ai fait une grande parenthèse, le pavage, mais au niveau du prolongement, il y a aussi d'autres travaux qui sont à terminer. Donc, la jonction là, du réseau existant de la rue c'est-à-dire de la rue de la Rivière avec où on était rendu là, dans le coin de chez M. Alain Méthode et M. Edgar Sénéchal. Donc, ce secteur-là, il reste à compléter pour connecter les deux. Dès que ça va être fait, on fait des tests de pression sur plusieurs sections de la rue du Moulin avant de permettre à l'ensemble des citoyens de pouvoir se brancher officiellement sur le réseau. Fait que pourquoi on essaie de faire toutes ces travaux-là le plus rapidement possible, c'est de permettre le plus grand nombre de branchements avant qu'on fait le pavage pour éviter d'abîmer
le pavage là, pendant quelques semaines parce qu'on doit laisser reposer. C'est parce qu'il va encore. On essaie aussi, là, le groupement forestier, il y avait du bois à sortir là, du côté du chemin du club. Fait qu'il va essayer de s'activer à sortir le maximum de bois. Ensuite, je leur ai demandé une pause là, de quelques semaines avant de reprendre leurs activités de ce côté-là. Puis là, ils vont transférer leurs activités de transport de bois de corde là, du côté est de la rivière, donc par les trois courants. Ensuite, aujourd'hui, c'est sûr que vous avez remarqué qu'on a commencé à faire des travaux de mobilisation pour la déconstruction de l'ancien magasin BMR. Donc, l'organisme qui est responsable là, de l'attribution des contrats, on va passer une résolution à ce niveau-là ce soir. C'est la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie qui a monté le dossier pour le déposer aux affaires municipales le mois passé. Donc, notre dossier à la Ville a été analysé. Il a été aussi recommandé à la Fédération canadienne des municipalités. Donc, on peut attribuer le contrat. Donc, sauf que ce n'est pas la Ville qui va donner le contrat de gré à gré. C'est vraiment la Régie avec les subventions qu'on a réussi à obtenir dans le cadre de ce programme d'aide financière-là. Donc, encore un nouveau chantier qui vient de recommencer, mais comme je l'ai expliqué dans le cadre de d'autres assemblées, c'est que l'ancien BMR, on va le sortir des autres contrats parce qu'il est tellement à proximité de l'autre site qui va devenir la caserne, c'est que là, il y avait un enjeu de santé-sécurité de chantier. Là. Donc, on a décidé de le sortir, de le donner à part à la même, au même entrepreneur qui est MFT Fils. Fait que là, il y a toute une mobilisation. Puis déjà, aujourd'hui, les gens ont vu que les travaux ont commencé, mais on n'a pas commencé à déconstruire comme tel. On a créé des ouvertures dans le bâtiment pour pouvoir sortir le maximum de matériaux qui vont être mis à la disposition des citoyens. Par contre, c'est pas utile de venir à la Ville avant les prochaines semaines. C'est qu'on doit déconstruire, c'est-à-dire qu'on doit le faire avec minutie, le maximum de matériaux pour ne pas les briser, pour que après ça on les met en vente, qu'ils soient réutilisés. Fait que là, il va y avoir toute une mécanique derrière ça, c'est qu'on va devoir, d'un, estimer la valeur des matériaux, de deux, les peser, parce que tous ces matériaux-là qu'on va remettre à disposition des citoyens, c'est qu'on doit faire un rapport avec ça. Hein. C'est un projet pilote, c'est important de le dire. On prétend pas que ça va coûter moins cher. On espère que ça va coûter moins cher, mais on ne le sait pas parce que c'est un projet novateur. C'est-à-dire que ça n'a jamais été fait dans le coin, en Gaspésie. Puis nous autres, on voulait donner chance aux coureurs de regarder si c'était une façon de faire. Si on a d'autres projets plus tard, pourquoi démolir pour envoyer dans les sites d'enfouissement sanitaire quand que ces matériaux-là, on peut leur donner une valeur ajoutée puis les réutiliser. Fait que c'est pour ça qu'on a eu la subvention, c'est parce qu'on prétendait qu'on était capable de passer une grande quantité de ces matières-là. Donc, pour ce faire, on doit peser l'ensemble des matériaux qu'on va mettre à disposition des citoyens. Fait que là, tout ce tonnage-là qu'on va pouvoir revendre, bien, il va falloir qu'on le pèse pour dire comment est-ce qu'on a sauvé en frais de transport vers les LET de Gaspé ou à l'éco-centre à Grande-Rivière. Fait que là, on prend en considération l'ensemble des matériaux, le bois, le métal, le plastique, le béton qu'on va casser et qu'on va utiliser comme sous-couche granulaire dans le cadre de d'autres projets. Okay. Ensuite, dans les autres grands projets, Mme la greffière, vite fait là. On avait des déconstructions, prolongements. Athlétisme? Oui, la piste d'athlétisme. Bon, la piste d'athlétisme, ça, on a dû retarder là, d'un peu plus d'une semaine le dépôt des appels d'offres sur le système électronique d'appels d'offres parce que on s'est aperçu à la dernière minute que la piste de 400 mètres, ça n'entrait pas, ça ne fitait pas dans notre terrain. On aurait pu faire certaines modifications. Par contre, les modifications, ça dépassait les 75 000 $. Il fallait revoir l'ensemble
des infrastructures de, d'écoulement des eaux, tout ce qui était là, drainage de terrain, il aurait fallu revoir ça. Puis ça, c'était pas dans notre budget, c'était pas prévu du tout. Donc, on a fait refaire les plans du terrain pour une piste de 375 mètres, qui va quand même être une piste où on va pouvoir tenir des événements régionaux provinciaux. Fait que là, juste pour vous dire là, que ça a pris un certain délai pour revoir aussi l'estimation des coûts. Mais on a fait le travail. C'est présentement sur le système électronique d'appel d'offres. L'ouverture, sauf qu'on a condensé un peu là, les échéances, fait qu'on va ouvrir les enveloppes lundi le 25 juillet à 11h. Puis en marge de cette première appel d'offres-là, parce que ça, c'est la phase 1, c'est la construction de la fondation granulaire plus les deux couches de pavage. Puis ensuite, il faut que le pavage là, il soit en repos avec rien dessus pendant 30 jours avant qu'on fasse la phase 2, qui est l'application de la couche synthétique. Puis là, ça va être dans le cadre d'un deuxième appel d'offres qu'on va tenter de sortir là, la semaine prochaine déjà. Fait que le temps qu'on ouvre nos appels d'offres, ça, ben, on va déjà être prêt pour l'installation 30 jours plus tard de la couche. Fait que là, c'est sûr que les échéanciers sont assez courts dans ce projet-là. Pourquoi? Parce que ça doit absolument être terminé et la reddition de compte et le projet avant le 31 décembre. Puis ben on a toujours le facteur température pour l'application de la couche synthétique qui doit être installée avant le 30 septembre. Fait que ça fait un peu le tour, M. le maire. Beaucoup de dossiers en cours, hein? Oui. Mais il y a le projet JAF Gagnon, on avait eu des nouvelles, ouais, hein, des petites modifications, ça va être dans le je vais laisser un petit mot tantôt. Excellent, merci. Parfait. Donc, je passerai la parole au directeur des travaux publics, M. Moreau. Merci, M. le maire. Juste peut-être pour enchérir ce que le directeur général disait, c'est que après une discussion aujourd'hui avec Eurovia, c'est qu'on va récupérer une partie des matériaux sur la rue du Moulin, le gravier qui est là, il appelle ça contaminé. Mais avant l'asphaltage, c'est qu'ils vont enlever une certaine épaisseur que nous autres, la ville, on va pouvoir récupérer pour faire nos entrées ou pour différents organismes. Comme par exemple la rue du Moulin, le chemin du club, là, il y a une partie là, qui avec le transport forestier, il est endommagé. Ça fait qu'on va réparer cette partie-là. Oui, on a des besoins municipaux, là, on va avoir besoin de ce granulaire-là, on va le récupérer, mais quand on dit contaminé, là, c'est juste qu'on met cette couche-là par-dessus le chemin, parce qu'il doit être remplacé par un autre matériel avant l'asphaltage, puis il doit être exempt de sel de déglaçage, puis ça, vu qu'on a utilisé cette couche-là là, cet hiver, c'est retiré, c'était prévu au projet, mais nous autres, on doit juste trouver des places là, pour les mettre, mais on a pas mal identifié l'ensemble des secteurs où ce qui va être utilisé. Ça doit être encore une fois, avec ce que ça coûte présentement en camionnage et ça, on doit réduire au maximum le transport de ces matières-là. Parfait. Avez-vous d'autres choses, M. Moreau? En tant que directeur des loisirs, on a vu d'autres. Je vais laisser M. Baudin. Laissez. OK, Denis Baudin. Parfait. Oui. On va passer au directeur service incendie. M. Lebreu. Merci, M. le maire. Donc, comme à l'habitude, pour le mois de juin, le service incendie est intervenu à 8 reprises. Une fois à Turner, 3 fois sur le secteur de Grande-Rivière, à 2 occasions à Sainte-Thérèse et 2 occasions à la ville de Percé. De plus, les visites de programmes de prévention, de vérification d'avertisseur de fumée se continuent toujours avec notre préventionniste, M. Jean-Luc Nicolas. Je remarque aussi que de plus en plus de gens installent leur numéro civique. C'est très bien. De plus, ce soir, on passe à des résolutions qu'on demande l'ouverture du schéma de couverture de risque. C'est parce que l'effet que dans le schéma de couverture de risque, il est présentement, il n'est pas à jour, là, il manque peut-être des informations qui ne sont pas claires. Puis pour avoir l'immunité, ben, il faut que ça soit bien décrit dans le schéma pour avoir les objectifs qui sont clairs et précis et réalistes sur le terrain. Présentement, ce n'est pas ce qui se produit. Le service d'incendie, on intervient sur plusieurs sortes d'interventions telles que accident de la route, décarcération, et sauvetage nautique, espace clos,
sauvetage hors hauteur, sauvetage d'urgence en milieu isolé. Et pour toutes ces formes de sauvetage ou d'intervention-là, les pompiers sont formés. Si on parle juste au niveau du sauvetage nautique, parce qu'il y a d'autres résolutions, il y en a présentement 8 qui sont formés pour le sauvetage nautique. Et pour les accidents de la route, on est 18 qui sont formés pour l'utilisation des outils. Donc, c'est toutes des choses qu'on voudrait qui soient peut-être incluses dans le schéma pour avoir l'immunité. C'est un peu, en gros, le pourquoi de la résolution. C'est tout pour moi ce soir. Parfait. Fait que ça, c'est la résolution, ça va être envoyé à l'IMRC, c'est ça? Oui. Demain, j'ai appelé à l'IMRC, donc on va bien en discuter. Donc, on s'est rendu au point 4. Questions aux officiers? Avez-vous des questions pour... J'avais une question pour le directeur des travaux publics. Moi, je voudrais savoir où est-ce que le budget pour la réparation de l'outillage hivernal est rendu? Présentement, au budget des travaux publics, on est au sixième mois, les chiffres qui sont là, on est à 54% total au budget. Au niveau de la réparation de la machinerie, ces choses-là, on est tout près de 90%, mais je peux vous dire que la machinerie pour l'hiver, ben, elle est déjà prête. Puis tout est réparé. On va peinturer cette semaine. Ça fait que on ne devrait plus avoir de réparation majeure sur ces équipements-là, à moins qu'on aurait un gris ou ces choses-là au mois de novembre ou décembre. Mais l'équipement est réparé en deux. Merci, M. Moreau. Merci. J'aurais une question, M. le maire, moi aussi, au directeur de travaux publics. Oui. Mais quand est prévu la coupe de l'herbe le long de la 132? La coupe de l'herbe sur la 132, vous parlez de quoi? De quel secteur? L'herbe qui pousse le long de la 132, qui est longue, puis la visibilité, ça semble... Ça, à quel endroit? Ça ne peut pas faire plus. Je veux savoir. Ah, ben, peut-être que je peux répondre. On va donner l'exemple de Jérôme Etette. Quand on arrive au top à Jérôme Etette, on voit l'herbe qui est longue, on a la misère à voir le terrain de camping en OK, vous parlez sur le côté sud de la 132. Oui, le côté sud de la 132, regarde, je vais vous le dire, puis Ken pourra peut-être me dire si je me bats les pieds, mais c'est le ministère des Transports qui a donné ce contrat-là, puis qui va être fait à la fin juillet. C'est un sous-traitant de l'extérieur qui vient faire cet ouvrage-là. C'est pas sur les terrains de la ville, mais ça appartient au ministère des Transports à faire cette partie-là. Fin juillet. Oui. C'est McCoy, d'habitude. Je ne sais pas c'est qui le sous-contactant, mais on a déjà appelé, on a un citoyen qui avait appelé pour ça. On a déjà fait la vérification. Puis le suivi aux citoyens aussi. Ouais. Oui. Moi, je pense que c'est important d'entendre la réponse. C'est que sur le long de la 132, c'est pas la responsabilité de la ville, c'est la responsabilité du MTQ. Puis avant ça, c'est le MTQ qui faisait les travaux eux-mêmes. Là, ça fait 2 ans qu'ils le donnent en sous-traitance. Ouais. Ouais. As-tu répondu à votre question? Oui, c'est très bien, M. le maire. Merci. Parfait. Avez-vous d'autres questions? Moi, peut-être juste aller en complément du directeur du service incendie. Je trouve ça important de souligner que le travail d'un pompier volontaire ne s'arrête pas seulement à aller sur les feux. On parle de sauvetage en forêt, sauvetage nautique, sur les cas d'accident. Donc, le travail d'un pompier volontaire, là, c'est vaste, là, c'est large. Puis on peut se compter privilégié d'avoir une bonne équipe comme ça ici à Cambrière. Effectivement. Il y a beaucoup d'implications, beaucoup d'heures que les pompiers ont mis là-dedans. Puis il y a toujours le maintien des acquis. Il faut toujours continuer. C'est pas parce que tu as fait la formation, mais il faut continuer pour garder ça, actif. Puis le privilège, ici, on a 4 instructeurs reconnus par l'École nationale. Donc, dans tous les volets, ça nous permet de nous maintenir à jour dans nos connaissances. Tout ça pour dire qu'un pompier, ça a plusieurs fonctions. Oui. Bravo à votre équipe. On est on voit plusieurs choses en même temps, mais effectivement. Donc, il y a plusieurs volets qu'on couvre. C'est bon. À l'intérieur du service. C'est bon. Avez-vous d'autres questions, d'autres choses à souligner ou... Tout est beau? Oui. Parfait. On va passer au point 5. Directeur financier, compte à payer au 30 juin 2022. Donc, du moment proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 30 juin 2022 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 135 735,33.
que le conseil à Priac de la liste des comptes du journal déboursé déposé par le trésorier. Donc, je vais donner la parole à M. Denis Baudin qui s'occupe de cette tâche-là. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, ben aujourd'hui, j'ai rencontré Jacques à deux reprises, soit un matin puis cet après-midi. Puis, je vais énumérer quelques comptes là, qui sont les plus importants, considérables, qui forment le 135 000, pour ensuite inviter les conseillers et conseillères à poser des questions s'il y a lieu. Donc, je me suis arrêté, entre autres, sur une facture des Roches Groupe Pétrolier, une facture d'essence et huile pour un montant de 23 206. Une facture des Jardins Fleuris pour tout l'ensemble de la réalisation des pots de fleurs, 8 632. Ensuite, le blanc environnement, nettoyage du réseau sanitaire, un autre montant de 23 021. Une facture à J. Gérard Méthode, 4 861 sur... dans la période estivale, c'est beaucoup plus élevé là, dans cette quincaillerie parce qu'il y a beaucoup y a des étudiants qui travaillent, il y a du monde sur des projets, donc on réalise beaucoup de travaux, des réfections, des rénovations. Donc l'achat de plusieurs articles, peinture, pinceaux, toutes sortes d'accessoires, là, c'est ça qui forme entre autres la facture. Il y a eu la réparation de la Ford rouge, là, qu'on pourrait dire, là, chez Mongeford pour un montant de 3 850. Réparation majeure, si on veut, là, quand même. Train Canada, c'est un contrat d'entretien pour le système de réfrigération au complexe sportif des Jardins, montant de 4 004. C'est ce qui compose, entre autres, la majeure des factures qui fait le 135 000, monsieur le maire. En fait, pour faire la proposition? Oui, juste un instant, peut-être pour monsieur Baudin qui a annoncé au niveau des fleurs, on a un montant de 8 632, mais à peu près 80% de ce montant-là, c'est des commerçants. Les factures n'ont pas été faites encore, mais qui vont être facturées pour ces fleurs qui ont le commerce. Okay. Puis au niveau de la réparation de la camionnette, là, il y en a qui pourraient dire que ça a coûté cher, là, 3 000 quelques dollars. C'est que ça faisait 2 ans qu'on louait un véhicule pour la période estivale, considérant justement qu'il y a des employés là, du programme FER, Emploi Québec et tout. Là. Puis avec mais cette année, aussi, les prix de location, là, ils ont presque doublé. L'année passée, on louait ça à 1400 $ par mois. Cette année, depuis la COVID, là, il y a une rareté, puis c'était rendu à 2 600 $par mois. Mmh. Fait que là, je pense que le 3 000 $ pour la réparer puis de la toffer encore un bout, là, on avait tout en besoin 3-4 mois là, à chaque année. Mais on a décidé de réinvestir pour la réparer. Fait. Puis avant d'adopter, là, je voulais juste mentionner aussi que j'ai vu, dans le cadre d'un autre sujet, j'avais rencontré aussi... Michel Gagné, là, Raymond Chabot, Grant Thornton, donc juste faire part au niveau du budget, on avait à tarder ça la prochaine séance, mais à cause du déménagement, etc., normalement, là, ça va être à la séance du mois d'août. Puis je vous dirais, ben, ce délai-là aussi, je pense que ça a permis aussi à la direction d'essayer de voir un peu, de réaffecter certains comptes qui étaient au fonctionnement, que vous avez pu les mettre des programmes comme la tech, là, tu sais. Donc, ça, il m'a fait part de cette information-là. Donc, normalement, le budget là, va être présenté au mois d'août, à la séance du mois d'août. Donc, si tout le monde est d'accord avec ça, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je le proposerai. Proposé par M. Baudin. On peut offrir aux conseillers et aux conseillères s'il y a des questions aussi. Oui. Avez-vous des questions? Personne qui a de questions? Aucune question. On n'a pas eu de dépenses. On n'a pas le compte de dépenses. Vous n'allez pas voir. On l'a eu à la plénière. Oui, je l'ai donné à la plénière. Quand on était absent de la plénière, on pouvait recevoir le document quand même. Je n'ai pas reçu le document. Ça a été envoyé courriel. On n'a pas en parlé. Moi, je l'ai réimprimé. C'est parce que ça a été remis à la séance là, à plénière. Donc,
On va le prendre en note. On va le prendre en note. On en note pour la prochaine fois. OK. Ben, je veux pas. Je veux pas m'immiscer là-dedans, là, mais tu sais. Mais tu sais, par mes années passées ici, là, on a quand même une certaine responsabilité de venir chercher nos documents quand on est absent aussi, là, je pense. Quand on travaille, M. Beaudin, quand on travaille des 72, 84 heures par semaine, on n'a pas le temps de venir courir. Non, mais je ne dis pas ça pour vous vexer non plus. C'est une période à court terme. Je fais les mêmes heures que vous. OK. Bon, on va passer à autre sujet. Donc, on l'a pris en note. Puis, je pense, de toute façon, au niveau du budget, à ce niveau-là, tout le monde l'a reçu. C'est juste l'histoire du tableau. Puis, je vous dirais que le tableau, ben, c'est un plus parce que c'est quelque chose que j'ai mis en place. Donc, pour permettre aux gens. Donc, ça a été pris en note. Donc, quand les gens ne seront pas présents à la plénière, donc, on va s'assurer. Puis, j'inviterai les conseillers. Ben, si vous n'avez pas toutes les informations, ben, faites les démarches là, 40 ou 24 heures d'avance en communiquant avec la greffière pour vous assurer que vous avez les documents. C'est bon? Parfait. Donc, on va passer au prochain point. Peut-être, M. le maire aussi, excusez. On avait aussi à faire l'exercice là, de l'étude des états financiers pour les 6 premiers mois. Oui, au 30 juin, oui. Oui, au 30 juin. J'ai fait ça dans mes deux visites avec Jacques aussi. Ce que j'ai pu réaliser, qu'on a pu réaliser, entre autres, là, c'est que les divers dépassements au niveau des budgets, c'est surtout au niveau des essences et huiles. C'est justifié par l'augmentation considérable du prix du pétrole. Après ça, le 100% du budget total a été atteint dans plusieurs endroits dans les 6 premiers mois. Au niveau des assurances, immatriculation de la flotte de véhicules. Mais ça, c'est des postes où ce que c'est qu'il n'y aura plus d'autres sommes qui vont être imputées. Donc, ça va s'amortir sur le restant de l'année. OK. Il y a eu un dépassement. Des produits chimiques, ça, c'est ça. Oui. Entretien et équipement des véhicules au niveau de l'enlèvement de la neige, au niveau de l'équipement de la neige. Un dépassement, il y avait un montant d'un budget en cours de 20 000, il est à 32 000 après 6 mois. Ce que le directeur des travaux publics nous disait, c'est qu'il y avait tout de suite après la période hivernale, bien, l'entretien des véhicules avait été fait pour remettre la flotte de véhicules à neige en bon état pour entreprendre la nouvelle saison. C'est justifié par ça. Ensuite, les produits chimiques, comme M. le directeur général le disait, après 6 mois d'opération, bien, il y a un dépassement là aussi de 3290. Il reste encore 6 mois d'opération, mais je sais que Jacques devait s'informer si... Ça va vous dépasser parce que les produits chimiques, ça vient des États-Unis, puis on est... les produits les plus augmentés, c'est de l'importation, puis c'est le taux de change défavorable. Puis les transports aussi, à chaque transport Le transport a augmenté, ça va probablement dépasser là, à la fin de l'année parce que ça, tout est dans ce sens-là. Pour cette année, en tout cas, c'est une année exceptionnelle. Ça suit avec l'essence. Hein? Ça suit avec l'essence, pas le choix. Ouais. Mais il reste qu'il y a un travail qui a été fait. Là, on pourrait peut-être nous soumettre, là, me soumettre un peu là, l'état de la situation, mais je sais que. Avec le directeur général, on en avait parlé, avec le directeur financier, là, tu sais, qu'on était pour regarder aussi d'autres alternatives avec d'autres fournisseurs québécois, là, voir la possibilité. Qu'il y avait certaines dépenses dans lesquelles qu'on voulait avoir une attention particulière pour essayer d'assurer de faire une meilleure gestion à ce niveau-là. Mais c'est sûr, certain que, comme toutes les municipalités du Québec, l'inflation, l'augmentation du carburant, étant donné qu'on a beaucoup de machinerie, donc c'est sûr certain qu'il va y avoir peut-être un dépassement. Mais je suis très confiant à l'équipe des directeurs en place, là, comme M. Moreau, directeur général, Jacques, Denis, comme conseiller qui travaille là-dessus, pour faire en sorte, oui, il y a des dépassements, mais on essaie toujours de le garder dans l'enveloppe du projet. Oui, M. Moreau? Monsieur le maire, je vais vous dire qu'avec mon équipe, soit aux travaux publics ou aux loisirs, c'est qu'on sait qu'il y a des places où ce qu'on a des dépassements, mais il y a des places où ce qu'on va faire des coupures. Parfait. Ça fait qu'on va essayer, à la fin de la saison, que le budget soit respecté. Équilibré. Oui. Parfait. Donc,
Ça ressemblerait à ça, monsieur le maire. Parfait. Ben, merci beaucoup pour l'information, Denis. Ouais. Donc, en majeure partie, les différents postes budgétaires là, sont à 47, 48, 46%. Donc, il n'y a pas de lumière rouge qui allume. Là, parfait. Ouais. Puis ce que je pense que c'est important, c'est que le prochain exercice, c'est au mois de septembre, ouais. à 3 mois avant la fin de l'année financière. Ouais. Ouais. Parfait. Donc, on sera rendu point 6, il n'y avait rien à l'autre jour. Point 7, greffe, vente pour défaut de paiement de taxes municipales, mandat trésorier pour enchérir. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal mandate le trésorier pour enchérir au nom de la ville. Lors de la vente par défaut de paiement de taxes prévue le 20 juillet prochain. Le tout en conformité de l'article 536 de la loi sur les cités et villes. Ça prendrait quelqu'un pour proposer, donc pour nommer le trésorier de s'occuper de cette tâche-là. Proposé par Mme Nicolas. Que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bonne nomination d'un maire suppléant, juillet 2022 à mars 2023. Tu m'as proposé par et résolu que le conseiller M. Gaston Leblanc soit nommé maire suppléant pour une période de 8 mois, soit le 12 juillet 2022 au 13 de mars 2023. Que le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la ville les effets bancaires ou autres. Que le maire suppléant soit autorisé à remplacer le maire au conseil des maires de la MRC. Proposé par M. Briand. C. Destruction de documents inactifs reproduits sur un autre support autorisation permis. Tandis que la Ville Grande-Vière affirme que le projet de numérisation des documents inactifs, joint annexe, a été réalisé par la firme IDNOM de manière à assurer la valeur juridique des documents et l'équivalence fonctionnelle des supports. Conformément aux prescriptions de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, attendu que la Ville Grande-Vière affirme que le projet de numérisation des documents inactifs a été réalisé en conformité avec les recommandations de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. En matière de numérisation de substitution, notamment en ce qui concerne la qualité de la reproduction et de la description des documents numérisés. Attendu que la Ville de Grande-Rivière affirme avoir effectué une analyse de ces documents inactifs basée sur la valeur intrinsèque de ceux-ci afin de déterminer les séries ou les dossiers desquels pourraient être extraits des spécimens qui seraient conservés sur les supports d'origine et ce pour des utilisateurs futurs. Attendu que la Ville de Grande-Vière affirme disposer des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise en œuvre d'un programme de conservation à long terme des documents numériques. Attendu que la Ville de Grande-Vière affirme favoriser l'accessibilité à ses archives telles qu'en soit le support et ce, en conformité avec la politique de gestion des documents inactifs des organismes publics. Attendu qu'une description sommaire des documents inactifs à éliminer est annexée à la présente résolution. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil autorise sa greffière à demander à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec l'autorisation d'éliminer des documents inactifs sources pour et au nom de la Ville de Grande-Rivière. Madame Morin, pouvez-vous donner une petite information? Oui, c'est que dans le fond, on a fait numériser 32 boîtes qui étaient aux archives qui contenaient des permis de construction l'année dernière. Puis là, on voudrait les détruire parce qu'ils sont sur un support numérique maintenant. Donc, on veut détruire les papiers. Parfait. C'est l'entreprise qui a besoin de la permission de le faire. Parfait. C'est beau. C'est juste proposé. Pour complément d'information. Proposé par M. Leblanc. Point 8, avait rien à l'autre jour. 9, directeur de service incendie, schéma de couverture de risque, autorisation d'acheminer une demande de modification à la MRC Rocher-Percé. Considérant que la révision du schéma de couverture de risque a été adoptée le 8 juillet 2020 par le Conseil des maires. Considérant que l'article 28 de la loi sur la sécurité incendie prévoit qu'un schéma de couverture de risque peut être modifié pour tout motif valable. Considérant que l'immunité conférée par les schémas de couverture de risque en vigueur n'est atteignable qu'avec des objectifs clairs, réalistes et qui se collent à la réalité terrain. Considérant que les assureurs ont la possibilité de poursuivre une municipalité si les objectifs du schéma ne sont pas atteints en cas de sinistre.
Considérant que le schéma de couverture de risque informe le citoyen sur l'offre de services de la municipalité en matière de protection et prévention des incendies, considérant que le schéma ne correspond pas à la réalité actuelle, notamment au niveau de la force de frappe, temps de réponse, ressources humaines et disponibilité de l'eau, et qu'il exclut des autres risques de sinistre utilisant les mêmes ressources visées par le cinquième objectif du ministère. Considérant que les services de sécurité incendie de la MRC Rocher-Percé répondent à des appels pour des accidents sur la route, de sauvetage en hauteur, de sauvetage en espace clos et de sauvetage nautique, que l'exclusion de ceci du schéma de couverture de risque prive la municipalité de l'immunité prévue par l'article 47 de la loi sur la sécurité incendie lors d'une intervention d'autre nature. Considérant que les efforts déployés au fil des années pour équiper les services de sécurité incendie et l'équipage sauvetage de la MRC ainsi que l'effort en formation fournis par les ressources humaines et services pour maintenir leur connaissance à jour. Considérant que l'autorité régionale de la MRC doit travailler avec les municipalités telles que mentionnées aux articles 15 et 16 sur la loi de sécurité incendie, considérant les efforts mis de l'avant par le service de sécurité incendie pour atteindre une informité opérationnelle standardisée. Pour ces motifs, il est demain proposé par et résolu que le conseil municipal autorise son directeur service incendie a adressé une demande à la MRC Rocher-Percé d'effectuer la modification du schéma de couverture de risque et que cette demande soit également adressée au ministère de la Sécurité publique. Qu'il soit demandé à la MRC Rocher-Percé de travailler de pair avec les municipalités en utilisant leurs experts en matière de sécurité et service incendie d'apporter des modifications de façon non limitative aux objectifs de force de frappe en inclusion des autres risques, des sinistres et aux données informationnelles touchant la formation des ressources humaines des services incendies. Que le conseil autorise le maire, M. Ginoncière, à apporter cette demande au conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé et d'assurer un suivi concernant le rôle de la MRC d'assurer la coordination du schéma et de maintenir des comités de sécurité et incendie et d'y faire participer les services du territoire desservi afin d'atteindre les objectifs 7 et 8 du ministre. Complément d'information, M. Lebreu, ce que je comprends, ce qui a été adopté dernièrement, il y a des éléments qui il y a le considérant aussi que je vois, là, ce qui concerne le nautique, ces choses-là, qui n'est pas dedans, c'est ça? Ou? Ben, c'est concernant pour l'humidité. On a présentement l'humidité seulement pour les interventions incendies. OK. Toutes les autres interventions, on n'a pas d'immunité. Que ce soit pour décarcération, sauvetage en forêt, sauvetage nautique, sauvetage espace clos, sauvetage en hauteur, on n'a pas d'immunité alors qu'on pourrait l'avoir. Parce que l'immunité va nous protéger au niveau des compagnies d'assurance pour les poursuites, en autant qu'on a les équipements et les formations nécessaires. Ça, la formation, on l'a. Les équipements, on l'a. Okay. On ne l'aurait pas demandé il y a 5 ans, mais aujourd'hui, on peut le demander parce qu'on est avancé dans la formation et dans ces... dans les interventions spécialisées, là, on est formé. On a des équipes de formés à l'intérieur de notre service, à nous autres. Même chose à Chandler. OK. Puis le dernier schéma de couverture de risque qui avait été adopté, sais-tu... Si je peux me permettre, M. le maire, oui. C'est le rapport qu'on a adopté récemment. Okay. Tandis que le dernier schéma a été adopté en 2020. OK, oui. C'est ça. Donc, ça aussi, c'est... Ça, c'est complètement à part avec l'autre. C'est... On ne touche pas qu'est-ce qu'on a fait, le rapport annuel, là. Ça ne touche pas ça. Là. OK, ça, parfait. C'est le schéma. C'est en fin de compte, c'est un projet pour l'organisation d'un service de sécurité incendie. Puis là, à l'intérieur, ben, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à jour, qu'on devrait mettre à jour. Puis on devrait chercher à avoir l'immunité dans certaines interventions spécialisées telles que accidents de la route, des sauvetages. Puis ça avait été discuté avec la préventionniste à la MRC. Juste parce que demain, j'ai à plaigner. Puis si je me fais poser des questions, je veux juste être sûr. Mais avec elle, oui. On avait discuté avec elle. Mais lors de la dernière rencontre qu'on a eue, elle n'était pas présente. Elle était congé de maladie. OK. Le maire de Tchana aussi passait la même résolution ce soir. Parfait. Vous êtes les deux seules municipalités. Moi, demain, on va faire le même travail à Percé et à Sainte-Thérèse. OK. C'est ça, j'allais dire que c'était de pair avec la ville de Chandler qu'on faisait la demande ce soir. C'est beau. Parce que si je me fais poser des questions, je vais envoyer ça à l'administratif. Moi, je suis là, je suis porte-parole, mais c'est vous qui avez l'information. Ça marche? Donc, proposé par M. Anderson. M. Anderson, je pense que vous avez hâte de proposer, hein? C'est parce que c'est ça. C'est beau?
Sauvetage nautique en attente pour utilisation d'un bateau pneumatique à coque rigide de propriété privée, autorisation de négocier. Attendu que le service en sécurité incendie de la ville Grandière ne possède aucune embarcation pour intervenir en milieu nautique. Attendu que le seul service en sécurité incendie de la ville de Chandler offre actuellement le service sauvetage nautique sur le grand territoire de la MRC Rocher-Percé. Attendu que 8 pompiers volontaires de la caserne 64 ont complété leur formation pour effectuer ce type d'intervention. Attendu qu'un propriétaire privé a démontré de l'ouverture à mettre son embarcation de sauvetage à disposition du service en sécurité incendie de la ville de Grandière. Attendu que l'ajout d'une équipe d'intervention nautique supplémentaire pour le secteur S de la MRC Rocher-Percé sera plus-value en termes de temps d'intervention. Attendu que les directeurs des services sécurité incendie du territoire ont demandé à la MRC Rocher-Percé de rouvrir et d'actualiser certains éléments du schéma de couverture de risque dans le but de reconnaître l'immunité sans les services offerts. En conséquence, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur de services sécurité à négocier une entente d'entreposage et d'utilisation avec le propriétaire privé d'une embarcation pneumatique à des fins de sauvetage nautique. Quelqu'un qui veut proposer? Proposé par un des monsieur Leblanc, il y avait un nom, hein? Lui qui est responsable du service incendie. Oui, 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 c'est ça. Vous êtes d'accord avec ça? C'est qui? Proposé par Gaston. Directeur de travaux publics, il y avait rien à l'heure du jour. Directeur général, station de suppression Saint-Hilaire, réparation, appel d'offres, sans réinvitation. Attendu que cette infrastructure d'eau potable a été endommagée par un accident impliquant un camion de collecte du groupe Beaufort. Attendu que la ville de Grandière a reçu une évaluation des coûts ainsi que les débuts pour sa reconstruction complète. Attendu que l'opération de cette station ne peut être interrompue pendant sa reconstruction. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le directeur général soit autorisé à faire des appels de soumission sur invitation auprès des entrepreneurs en construction locaux pour reconstruire la station de suppression située sur le chemin Saint-Hilaire. Proposé par M. Baudin. Pourquoi j'ai mis le dernier attendu? On disait que l'opération de cette station ne peut être interrompue pendant sa reconstruction. C'est que nous autres, on veut l'agrandir un peu, on va reconstruire autour. L'assureur, après qu'il a fait son évaluation, c'est comme n'importe quel assureur, c'est la reconstruction des mêmes dimensions. Donc, comme il fallait la démolir par en dedans, on va l'agrandir. On avait un budget là, dans le cadre du projet PRABAM qui touchait nos immobilisations, nos immeubles. Donc, on va prendre une petite partie pour pouvoir surdimensionner le bâtiment. Puis en même temps, mais ça va nous donner une place supplémentaire pour installer une nouvelle génératrice et les surpresseurs pour donner la pression voulue là, pour les bornes fontaines du secteur rue Saint-Hilaire et Chemin des Bois. Parfait. Donc, on sera rendu au point B. Entente de servitude, lot 5293571 et 5293439, égout sanitaire, autorisation et mandat. Considérant qu'une conduite d'égout sanitaire appartenant à la ville a été découverte enfouie sur le terrain des lots 5293571 et 5293439. Considérant qu'aucune entente de servitude existe concernant l'occupation de ce terrain privé, considérant qu'en cas de bris, la ville doit détenir une autorisation des propriétaires afin d'effectuer des travaux, considérant que la ville désire régulariser la situation et s'entendre avec les propriétaires pour les enregistrer la servitude au registre foncier du Québec. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise son directeur général à négocier et signer une entente de servitude et des travaux avec les propriétaires des lots 5293571 et 5293439, qu'il mandate la firme LSAG Inc. pour effectuer le certificat de localisation de la canalisation sur ces lots aux frais de la ville, que l'étude Jean Couture notaire soit mandatée pour enregistrer la servitude au registre foncier du Québec aux frais de la ville, que le maire et le directeur général ou la greffière sont autorisés à signer tous les documents relatifs à la réalisation de cette résolution. Proposé par M. Gaston Leblanc. Merci.
C, piste d'athlétis. Implantation pour construction Mondor-Panteur, considérant qu'un appel d'offres a été lancé pour l'asphaltage de la piste d'athlétis, considérant qu'il faut effectuer l'arpentage du terrain afin d'implanter la piste d'athlétis avant les travaux. Dûment proposé par et résolu que le conseil octroie le mandat à la firme LSAG de faire l'implantation pour construction de la piste d'athlétis. Proposé par Lucie. Oui. Monsieur le maire, la réalisation de la piste, ça va être complet cette année, ça, hein? Oui. Oui, ça, hein? Obligatoire. C'est sûr qu'il y a tout le temps des petites contraintes, là. Tu sais, il y a eu la COVID, il y a eu certains retards, puis ça, je sais que même le conseiller faisait part pour l'asphaltage de la rue de l'Azur, mais tu sais, il y a certaines choses qu'on contrôle pas, mais moi, ça faisait pratiquement 6 semaines que je demandais au directeur général, tu sais, malgré les travaux d'incendie, tu sais, au 28 et ça, ben, tu sais, qu'on a eu la surprise que quand on a voulu faire la piste, puis ça rentrait pas, puis que ça a gagé 100 000 $ de frais supplémentaires. Que le directeur général a passé la fin de semaine ici à la ville pour s'assurer que le lundi matin, les documents soient soumis. Puis on est dans un délai assez serré, mais je pense que le fait qu'on ait des gens qui se permettent de travailler le vendredi après-midi, puis de travailler la fin de semaine, ben on va avoir notre piste d'athlétisme cette année. Temporairement. Deux, caserne d'incendie. Décompte progressif numéro 2, MFT Fils. Dubois proposé et résolu que pour donner suite à l'analyse et la recommandation de la firme Fra Architect, le conseil autorise le trésorier à effectuer le paiement du décompte progressif numéro 2 du projet de la caserne d'incendie à l'entrepreneur MFT et Fils pour la somme de 169 686,77 $. Proposé par M. Briand. E. Projet de déconstruction de l'ancienne quinquérie BMR, fonds municipal vert et régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Autorisation, attendu que le RITMGR ait été mandaté pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre d'un projet pilote et de construction dirigé avec la valorisation des matériaux de construction présentés au Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Attendu que le projet ait été analysé et recommandé au dit programme d'aide financière par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, attendu que dans le cadre de ce projet, le RITGMR agit comme donneur d'ordre pour et au nom de la ville de Grande-Vière dans l'attribution des contrats. Attendu que pour des considérants techniques de santé et de sécurité sur un chantier de construction, la ville de Grande-Vière a demandé un prix pour l'exécution des travaux de déconstruction, dirigés par l'entreprise MFT et Fils, et que cette soumission correspond à ses attentes. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le RITMGR à octroyer un contrat de gré à gré à MFT et Fils pour l'exécution des travaux de déconstruction dirigés avec valorisation des matériaux de construction de l'ancienne quinquérie BMR située au 139 rue du Parc. Donc on parle de l'ancienne quinquérie, on parle surtout des bâtiments là, adjacents à la nouvelle caserne de pompiers. Ouais. Le seul, c'est le plus gros. Ouais. C'est ça. Proposé par M. Baudin. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, tu sais, des fois, pour une petite municipalité, c'est sûr qu'on... Souvent, on se fait challenger, pour le développement durable, puis côté environnement, les initiatives, ben je vous dirais que ça, c'est un projet pilote. C'est des genres projets pilotes rares au Québec. Je pense qu'on est une des premières municipalités qui attaque ce genre de programme-là. Puis, comme vous l'avez si bien expliqué tantôt dans votre monde, ben, l'objectif de ça, c'est de démontrer comment qu'on peut réutiliser certains produits, essayer de faire des coûts pour envoyer moins de produits là, à gaspiller, entre autres. Là. Donc, je pense que c'est une belle initiative. Puis, ça nous a permis d'aller chercher en plus une subvention pour amortir une partie des coûts liés 50, à notre projet. 50%. Comme vous le savez... que les terrains vont être utilisés pour du développement locatif éventuellement. Je pense que c'est important de le mentionner. Donc, M. Baudin a proposé ça. 12, urbanisme, adoption du règlement
me semble que tantôt, la greffière m'avait dit qu'on avait une petite séance ce soir. Il me semble que j'arrête pas. C'est presque fini. C'est pas son. Ah. 12 urbanistes. Adoption du règlement UGR-017, modifiant le règlement de zonage U006-0319 de la ville de Rennevière, considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter les règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi, considérant que la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci, considérant que le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Vière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 11 avril 2022. Considérant que le conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 11 avril 2022 le premier projet du règlement numéro UGR-017. Considérant que la population est informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de la séance publique de consultation tenue le 9 mai 2022. Considérant que le Conseil a adopté à la séance ordinaire le 9 mai 2022 le second projet de règlement UGR-017. Considérant qu'aucune demande n'a été reçue afin que le règlement UGR-017 soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Considérant que chacun des membres du Conseil a reçu préalablement à la tenue de cette séance une copie du règlement UGR-017 modifiant le règlement de zonage de la ville de Rennevière, pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Second projet de règlement numéro UGR-717 modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la ville de Rennevière qui se lit comme suit. » Mais, c'est-à-dire que ça devrait dire que le Conseil adopte le règlement, pas okay. Le second projet, mais l'adoption finale. Adopte le règlement? Oui, tout simplement. Puis, pouvez-vous juste nous faire un petit sommaire, c'est quoi le... Parce que là, on dit le UGR-017, là? Oui, bien, dans le fond, c'était pour modifier des grilles de schéma de plusieurs zones. Je sais qu'il y avait la RU21, la I5... C'était pour autoriser, entre autres, le regroupement de chalets. Okay. Ça modifiait aussi, ce règlement-là rend aussi conforme au niveau de la MRC à plusieurs niveaux là, de toutes les villes. Je pense qu'il y avait aussi pour l'utilisation des zonages pour les remorques, je pense. Hein? Ça faisait partie de ça. Les remorques, les carrières aussi, là, vraiment pour que tout soit aux normes. Là. Parfait. C'était surtout pour autoriser, entre autres, le regroupement de chalets aussi. OK, parfait. Dans la zone RU 21. Bon, bien, écoutez, c'est au moment où vous savez c'est quoi, hein? Donc, le UGR-017, c'est ça. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer M. Anderson. Il avait levé la main plus vite que toi, il ouvre. Ben, demande de permis de construction, rue Manon, lot 5 650 108. Il est dûment proposé par et résolu que, suite à la demande de permis de construction déposée et suite à la décision numéro 01822, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 24 mai 2022, que le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 5 650 108 ayant frontage sur la rue Manon. Le tout étant conforme aux exigences du règlement U009-0319, que ce permis a été émis conditionnellement et postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement UGR-017. Pourquoi qu'on écrit ça? C'est parce que, justement, c'est pour un deuxième chalet sur un même lot. Il faut que la MRC, elle autorise le règlement à votre prochain conseil des maires, qu'elle l'adopte. Puis suite à ça, il va y avoir une entrée en vigueur qui va paraître la vie publique. Puis après ça, on va pouvoir émettre le permis pour que la construction du deuxième chalet sur ce lot-là. Parfait. Ça, c'est la résolution. On va être soumis... Demain matin. Demain matin, c'est ça. C'est parce que demain, on a une plénière. Ouais. C'est, je veux juste m'assurer que... Mais la directrice de la MRC, elle le sait. Elle OK, mais il me semble que je ne l'ai pas vu à l'heure du jour. C'est juste pour ça. Là. Je veux juste m'assurer, là, faire un suivi demain. Oui, oui. Demain matin. On va le prendre en note. Proposé par M. Leblanc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Information au conseil, correspondance. Je vais faire le tour de table avant, tiens. Commencer par Don Anderson. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. J'ai pas grand-chose. L'Azur, on en a parlé tantôt avec M. Moreau. Le petit parc, c'est le parc de parler avec l'autre, M. Moreau. C'est toutes des choses qui sont en marche, mais ça va venir.
J'avais la lumière de rue, j'avais demandé à l'autre monsieur Morin encore, le moulin, dans la rue du moulin. Ça aussi, c'est des choses à venir. Et une autre fois, ben, je vais encore me répéter comme d'habitude, les déchets sur McTavish, puis la rue du moulin. Encore cette semaine, sur McTavish, je montais, il y avait une gouttière. Une gouttière que quelqu'un avec un avait perdu dans le chemin. Ça restait là. Sur du moulin cette semaine, semaine passée plutôt. Des Dixie, puis des là. En tout cas, tout le monde a des poubelles à la maison, tout le monde a des bacs. Je vois pas pourquoi qu'il s'est jeté dans le chemin, des canettes ou n'importe quoi. J'ai eu ce petit rappel au monde, un peu de sévice là-dedans. Puis c'est fatigant toujours répéter la même chose, mais on n'a pas le choix. Merci. C'est tout, M. Maire. Parfait, M. Anderson. M. Moreau. Merci, M. le maire. Ben, j'aurais une question au directeur des loisirs. C'est quand qui pense installer les lumières pour la loisière comme il y a l'ouest, et aussi le nouveau module de jeu qui peut être arrivé? Le module de jeu, j'ai eu la réponse, il devrait arriver, je vais vous dire, la semaine prochaine. Mais ça se peut qu'il est ici cette semaine. Puis l'électricien, ben, regarde, la semaine dernière, il est venu pour réparer un bris là-bas majeur qu'il fallait qu'on répare parce que l'eau pour les roulottes. Les lumières, il les a en main pour les installer. Mais regarde, ils sont débordés. Ils savent, ils l'ont dans leur cellule pour réparer. Puis regarde, ils ont le OK d'aller le faire. Okay. Autre question au directeur de loisirs, tandis que vous voulez, M. Moreau. On aimerait savoir quel âge ça prend pour louer des canots et des kayaks. On sait l'événement qui s'est passé hier, alors je pense que ce serait un point à régler pour les gens, pour avertir les gens, quel âge ça prend pour faire du canot et du kayak. Les personnes autorisées, c'est des adultes. Ils peuvent louer des canots et des kayaks pour leurs enfants, mais ça prend les jeunes, ça prend, s'ils viennent louer des canots et kayaks, ça prend une autorisation des parents. On a un formulaire qui a été accepté par nos assurances, puis qu'on remplit, que ce soit ici à la ville ou ces choses-là, on remplit tout le formulaire et on le fait signer à chaque fois. OK, parce que vu que l'événement hier, les jeunes n'ont pas eu l'autorisation des parents, puis... Ben, ils n'ont pas eu l'autorisation de personne non plus. Ouais. Mais pourquoi qu'il y aurait les canaux et les kayaks? Je vais vous arrêter tout de suite. Présentement, d'après ce qu'on comprend, c'est que ça va être une situation litigieuse. On a pris les avis juridiques de notre procureur. Donc, si on va attendre de voir comment ça va se défiler dans le temps. Mais présentement, les avis juridiques nous indiquent là, que notre démarche est correcte. Nos formulaires sont corrects. Tout est légal. Donc, hier, c'était pas un accident, mais un incident. Mmh. On a eu la rencontre avec les parents. Donc, on va juste s'abstenir de porter des commentaires par rapport à ce dossier-là aujourd'hui. On verra... Mais c'est pour dire à la population que ça prend une autorisation des parents pour les jeunes. Pour la population, l'information générale, c'est que... En bas de 18 ans, monsieur Bon? Ça prend... Si, mettons, vous avez moins de 16 ans, ça prend l'autorisation des parents. OK, en bas de 16 ans. C'est ça. Parfait. Ouais. Merci. Merci, Philippe. Merci, Ken. C'est tout, monsieur le maire. Vous n'avez pas d'autres questions? Monsieur Brian. Merci, monsieur le maire. Moi, ça touche un peu ma première intervention. C'est... Ça touche un peu le plan d'urbanisme. Lorsqu'on parle du plan d'urbanisme, dans mon secteur, c'est sûr qu'on parle de tondage, propriété des terrains, tout ça. Cette semaine, en marchant tout le long de la rue de mon, le long des rues de mon secteur, j'ai remarqué une amélioration au niveau de la propriété des terrains. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui s'oublient et qui se négligent. Ce qui fait que ça enlève une partie de la beauté de ceux qui travaillent très fort pour améliorer le terrain et leur environnement. Finalement, j'aimerais encourager et soutenir tous les citoyens qui ont à cœur d'embellir le quartier. Je crois sincèrement qu'il y a de la place pour une amélioration. Pour une deuxième intervention, ben, regarde, c'est sûr que je vais parler de... il y a deux, trois mois passés, j'ai fait le tour de la rue, certaines rues dans mon secteur, la rue du Moulin, la rue de l'Horizon et la rue des Pionniers, pour expliquer aux gens que ceux qui voulaient se prévaloir de près de 10 ans pour faire des connexions dans leur maison, ils avaient le droit, il s'agissait de donner le nom à Greffière, à l'Hôtel de Ville, pour être capable de bénéficier. Mais par contre, j'ai bien expliqué qu'il fallait... que la compagnie qui va prendre ce dossier-là en main, va falloir s'occuper de prendre un plombier, puis une pépine pour faire le restant des travaux.
Ça, ça a été fait au niveau du prêt, au niveau qui était alloué pour 10 ans. Après, je dirais que tous ceux qui ont accepté le prêt, c'est la même politique que je viens de nommer. Puis tous ceux qui n'ont pas accepté le prêt sont obligés aussi d'utiliser, d'engager un pompier et une pépine pour faire le travail, pour rentrer les deux. Non, j'ai dit un pompier. J'ai dit un pompier, puis c'est merveilleux. On sait que les pompiers, ils n'en font pas mal, là, mais là... un plombier, c'est-à-dire, pour faire les travaux, puis, regarde, il n'y a pas de cadeau fait à personne. Tous les travaux qui sont faits à la maison, qui sont l'excavation, tout ça, ben, il faut payer pour, pas le plombier, mais il faut payer le plombier puis la pépine pour faire les travaux. Ça fait que tout ça, c'est pour être écouté par tous les gens. Moi, j'ai eu un téléphone ou deux la semaine passée qui me disait, ah ben, est-ce que là, c'est ce que la ville va payer pour faire rentrer la canalisation à la maison? Ben, je dis là, il ne faut pas trop demander non plus, parce que vous êtes tout au courant que si vous prenez un entrepreneur, normalement, les rentrées, c'est vous qui va les payer avec les le plombier puis la pépine. Voilà. C'est parfait. Mais dans un premier temps, pour la question, là, les problématiques d'urbanisme, là, oui. Votre première intervention, la semaine dernière, moi puis la procureure de la municipalité, on a refait la tournée de l'ensemble du territoire. Okay? Fait que là, c'est sûr qu'on ne peut pas, intervenir légalement sur tous les dossiers. Par contre, il y a des dossiers qui sont soulevés par les citoyens, qu'on a fait des interventions. Donc, mais là, il y a Pascal là, qui est au bâtiment, qui là, il y a eu la COVID cette semaine, fait que ça a un petit peu ralenti. Par contre, on a continué à faire cheminer les dossiers en se présentant chez les gens pour prendre certaines photos. Okay. Donc, la semaine prochaine, ben, parce qu'on espère que d'ici à la fin de la semaine, au moins les lettres enregistrées vont être envoyées. Mais dans d'autres dossiers, on va devoir y aller par remise d'une lettre plus officielle par un huissier. Puis dans d'autres cas, ben, on est déjà prêt à procéder parce qu'on a déjà des jugements. Il y a des ententes aussi qui ont été signées dernièrement. Mais au niveau là, de la propriété des terrains, oui, dans votre secteur, on en a noté. Ces gens-là vont recevoir une première lettre cette semaine. Mais avant la lettre, encore une fois, le but, c'est de communiquer l'insatisfaction de l'entourage en disant qu'on donne la chance aux coureurs de pouvoir s'améliorer dans un certain temps avant d'entreprendre des procédures. Mais le but, c'est l'entente à l'amiable, c'est toujours la solution numéro un, tout le temps. Okay? Fait que dans votre secteur, j'imagine, c'est les mêmes dossiers qu'on parle, mais on a fait une tournée en véhicule, puis on est allé les voir sur place, moi, la procureure. C'est une petite question de faire cheminer. Le deuxième point, okay, c'est sûr que dans ceux qui avaient pris le programme de financement sur 10 ans, okay, la première chose qu'il y avait à faire, c'est que nous, on avait présenté une estimation des coûts. Okay? L'estimation, fait que là, comme on le disait dans la lettre qu'on avait envoyée, ça comprenait pas seulement le branchement résidentiel, ça comprenait la mobilisation des équipements, le temps d'opération de la machinerie, il y avait aussi les canalisations, bien entendu. Si, mettons, on devait passer la canalisation à travers d'une entrée, ben, le remplacement du matériel granulaire pour refaire l'entrée. Fait que c'est pour ça qu'il y avait des variations au mètre linéaire, parce qu'il n'y avait pas une situation qui était pareille. Quand l'entrepreneur aussi s'est rendu sur le terrain, ils se sont aperçus qu'il y avait des installations sanitaires qui étaient un petit peu plus loin que d'habitude. Donc, on a informé les gens qu'il y avait un réajustement des coûts. Mais il y en a d'autres, par exemple, que la surprise était pas mal plus agréable, ça coûtait moins cher. Donc, les gens, il y avait la possibilité d'accepter ou de refuser le prix, l'estimation des coûts des travaux, okay, même après la deuxième visite. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui ont décidé de le faire par un entrepreneur local. Par contre, de prendre un entrepreneur local, c'est correct. T'sais, nous autres, on n'était pas là pour s'immiscer là-dedans. C'est la loi du libre marché. Par contre, ils ne pouvaient pas bénéficier du 10 ans. Mais dans les gens qui avaient demandé ce service-là, de un, c'était pour avoir un service tout compris. J'ai parlé avec des gens encore cette semaine. J'appelle ça ma visite du dimanche, que je fais le vendredi après-midi, parce que je vais rencontrer les gens sur le terrain. Puis là, ben, tu sais, ce qui les inquiétait, c'était de savoir qu'il restait un mètre à faire. T'sais, c'est sûr que l'entrepreneur est allé des fois plus proche qu'un mètre,
Mais ce qu'ils se sont fait dire par les plombiers, puis c'est normal, c'est que le plombier, sa job, c'était pas de creuser. Quand même, Bess était donné 10 coups de pelle, là, c'est pas sa job de faire ça. Donc, il y avait peut-être besoin d'une assistance, d'un ajout au contrat. C'est pour ça qu'on a regardé, moi, monsieur le maire, j'ai fait part des commentaires des citoyens que je t'allais rencontrer. Puis peut-être que on pourrait, nous autres, s'arranger avec un entrepreneur local pour que la pelletée de terre qui ont besoin pour que le plombier fasse ses connexions, mais c'est nous autres qui en soient responsables, la municipalité. Okay? Fait que c'est juste de s'associer avec la bonne personne. Par contre, avec un entrepreneur qui veut bien nous accompagner là-dedans, mais par contre, nos entrepreneurs locaux, faut pas oublier qu'ils ont leur job de tous les jours qui sont pas nécessairement liés au branchement. Puis aussi, il faut coordonner le travail de l'entrepreneur local qui va venir faire la dernière excavation avec un plombier qui sont pas faciles non plus à avoir parce que nos deux entrepreneurs en plomberie qu'on a présentement là, sont vraiment à côté dans l'ouvrage, on jase avec eux autres. Là. Fait que peut-être que ça peut se coordonner la même journée, mais ça se peut aussi qu'on va faire un trou prêt à faire la connexion, mais que la connexion ne se fait pas dans la même journée. Fait que là, après les tests de pression qu'on va faire dans notre réseau avant de permettre le branchement, il reste encore 2 semaines. T'sais, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, on aimerait ça que dans les 2 prochaines semaines, tout le monde soit branché, sauf qu'il va falloir que ça s'étale sur plusieurs jours. Puis après que là, l'asphaltage va être fait, bien là, on ne pourra plus permettre qu'une pelle mécanique se promène sur notre... Mais sauf que cette petite excavation-là qui reste à faire, on est capable de le faire heureusement avec une pépine, avec une pelle sur roue. Tu sais, il y a d'autres manières, mais sauf que là, ça va terminer le promenage de pelle mécanique sur les terrains, parce qu'en plus de ça, on est en train de définir les finitions de terrain. Fait que, tu sais, le but, là, c'est... On n'est pas fermé à ça. Tu sais, puis on l'a accompagné, on a pris les gens par la main jusqu'à la fin. Fait que là, il reste ce petit bout-là, il y a des personnes qui habitent seules. On le comprend. Ils s'attendaient d'avoir, tu sais, vraiment... connecté, mais on va s'arranger pour le faire jusqu'au bout, puis de respecter l'engagement qu'on avait au niveau des frais admissibles pour la période de 10 ans. Mais parfait. Juste pour vous, continuer, M. le maire. En gros, M. Moreau, on peut dire que ça va bien. Là, ça va très bien. Il y avait des madames là, qui avaient un montant à payer qui était énorme, là, puis oui. M. Moreau est allé faire une visite agréable, je dirais. Là. Oui. Puis c'était le fun. Madame est bien heureuse. Puis, j'avais oublié de parler aussi des branchements secondaires. Les branchements secondaires, c'est la même politique. Oui, mais c'est ça. Ben, tantôt, je ne l'ai pas apporté avec moi la liste. Il y en a eu un quatrième. Okay? Ah, fait que là, ça a ôté 2 autres contrats à l'entreprise d'Auteuil. Puis, ça a fait en sorte que la différence de coût de mobilisation, on a dû l'assumer avec le 18 000 $ que je vous ai compté tantôt. Là. Mais. On s'est aperçu sur les 127 dossiers, ça peut arriver qu'on en oublie un, puis on oublie un dossier, mais si on voulait être conséquent avec la façon qu'on s'était donné pour tout le monde, mais il fallait qu'on ajoute le quatrième réseau. Ça a fait en sorte qu'il y avait 2 de ces personnes-là qui avaient demandé l'étalement des coûts sur 10 ans. On les avait acceptés. Ils avaient fait toute la démarche, ils avaient rempli les formulaires, l'estimation des coûts avait été faite. Mais par contre, il y avait un terrain enclavé qui était à plus de 35 mètres. Il respectait toutes les conditions. Fait que là, ben, dans ce cas-là, à la séance du mois de d'août, ceux qui avaient fait leur demande, mais que c'est pas nécessairement entreprise d'Auteuil qui l'ont fait, ben, c'est des réseaux secondaires, c'est groupe Michel Leclerc qui les a fait eux-mêmes. Oui. Fait que là, on se voyait très mal, tu sais, puis il y a des places qu'il y avait pas grand place pour travailler. D'avoir groupe Michel Leclerc qui fait le réseau secondaire, plus un deuxième entrepreneur qui vient faire un petit branchement. On a demandé à groupe Michel Leclerc, fait le réseau secondaire et les quelques mètres qui restaient à faire pour permettre le branchement. Mais il reste que les gens, ils ne sont pas connectés dessus. Là. Ils ont apporté les tuyaux comme tout le monde, à la limite de la fondation ou de l'installation. Ouais. Fait que ça se peut qu'il reste un petit bout à faire. Oui, il reste un petit bout, c'est sûr. Même affaire, tu sais, les... J'ai eu des téléphones aujourd'hui. T'sais, ce qu'on a fait comme recouvrement des réseaux secondaires, là, c'est avec du matériel rough. Il y a des gens qui font des suivis à savoir quand est-ce qu'on va mettre la terre de finition. Ça, c'est dans le carnet de charges qu'on a pour les travaux à finir. Là. Ça va se faire encore dans les 2 prochaines semaines. Fait que si on avait dit qu'il y avait une terre de finition prête pour l'ensemencement,
ça va être posé dans les prochains jours. Puis aussi dans le cadre des ententes. On a signé 45 ententes dans le cadre du projet, mais il y a des gens qui m'avaient demandé, tu sais, moi j'aurais besoin de 2 voyages de terre pour mes vieilles installations sanitaires, pour pouvoir remblayer et tout ça. Ben, on va reviser les ententes, puis là on va voir qui a eu quoi, qu'est-ce qui reste à apporter. Fait qu'on a fait signer des ententes, on a pris des engagements envers les citoyens, on va respecter ces ententes-là. Sauf qu'encore là, c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut reviser les 45 ententes. Parfait. OK. Il y a d'autres points? Non, c'est beau. C'est okay. Bien. Je regarde l'heure, c'est parce qu'il est 9h moins 10. Ce que je propose, c'est on va suspendre la séance pour questions publiques. On a un citoyen qui a décidé de rester à la célébration d'Odo. Avez-vous une question? Non. Si vous n'avez pas de questions, ben parfait. Donc, on va retourner à la séance. Donc, Madame Nicolas. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier sincèrement Poisson Salé Gaspésien et son président, M. Réal Nicolas, pour avoir offert encore une fois cette année un merveilleux souper d'Omar et un délicieux dessert aux résidents de la Rive qui fut très reconnaissant de l'attention que vous leur portez. Merci, merci beaucoup. Vous avez fait des gens heureux. Vous êtes d'une grande générosité. Merci encore. Et le dossier de l'OMH, l'intégration de Mme Paradis se fait très bien. Et pour le dossier des réseaux sociaux, vous pouvez remarquer que je suis très présente puisque je suis. C'est un dossier qui m'a été alloué. C'est tout, M. le maire. Les réseaux sociaux pour. Ben, Facebook. Pour l'OMH ou. Non, pour la ville. OK. Là, je vais juste vous préciser que vous avez parlé de l'OMH. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais juste dire un mot sur la rue de la Source, parce que moi, j'ai des gens qui travaillent avec moi, puis demeurent sur la rue de la Source, puis des félicitations à faire à la ville pour les accotements qui ont été faits. Ils sont très heureux de ça, parce qu'ils disent que ça faisait longtemps qu'ils l'attendaient. Un autre point qui me tient, là, ben, moi puis Philippe, là, c'est les gazons dans la rue. Là. Encore la semaine passée, j'ai pris des photos, là, ils n'avaient assez épais, là, merci. Là. Puis c'est dangereux pour les cyclistes puis pour les bicyclistes à gaz. S'ils se tassent à côté, ils vont tomber. Mais non, c'est ça, c'est toujours ça. Là. Oui. C'est toujours dans le même secteur. Là. Parfait. Ça fait qu'à part de ça, c'est tout, M. Leblanc. Merci. Merci, M. Leblanc. M. Baudin. Merci, M. le maire. Peut-être un petit point d'information sur les camps de jour qui vont bon train. On parle d'une 60aine de jeunes par camp. L'équipe de moniteur et monitrice est complète. Une très bonne équipe, entre autres. Donc, le camp de jour, ça va très bien, ça chemine très bien. J'invite les gens à consulter la page du service des loisirs pour des locations diverses comme nos structures gonflables, des locations de kayak. Sur la page du service des loisirs, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour ce qui concerne soit des coûts, des âges, des endroits et tout. Donc, consultez la page du service des loisirs et vous serez informé de toutes ces locations que le service des loisirs offre. C'est tout, M. le maire. Parfait. Donc, on va y aller avec les propos du maire. Donc, on va rester dans le gros dossier actif là, au niveau du prolongement des réseaux d'égouts d'Acaduc au 28. Donc, juste pour vous dire, c'est que, tu sais, il faut se le dire, ça faisait 20 ans que les gens, tu sais, attendaient ce projet-là. La plupart du monde qui avait 50 ans, ben aujourd'hui, ils ont 70. Puis je vous dirais même, tu sais, c'était un peu de valeur parce que, tu sais, si on aurait pu le faire avant, ben ça aurait pu permettre à certaines personnes d'en profiter. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que quand tu étais dans la population active, puis versus 70 ans, ben c'est pas nécessairement les mêmes revenus. Puis nous, ben étant donné que, en sachant les 127 résidents qui étaient prêts à être branchés, on avait regardé avec le directeur général la possibilité, s'il n'y avait pas un moyen de pouvoir venir donner un coup de main pour les gens pour venir se raccorder. Parce que là, on portait le réseau d'égouts d'Acaduc. Puis on veut juste s'assurer qu'en apportant le réseau d'égouts d'Acaduc, que les gens puissent au moins se brancher. Puis en leur expliquant que oui, il y avait possibilité, mais par contre, il fallait aller en appel d'offres. C'est ce qu'on a fait. Puis le montant, ben, suite aux soumissions, c'était pour 1,10 ans. Tous les gens ont été informés. Ils ont été informés de la situation.
Par contre, là, je me promène moi aussi, là. Je fais les avis, puis je me renseigne. Je parle à Léopold, je parle au directeur trop public, je parle, il y a certains citoyens qui communiquent avec moi, je parle au directeur général. Puis là, présentement, ben, ce que j'en sais, là, que ce soit là, pour le branchement d'eau ou ben, pour les deux services, c'est que là, présentement, les installations sont pratiquement portées, mettons, à pratiquement à 3 pieds, à 1 mètre, mettons, de la fondation. Donc là, ce que je veux juste apporter comme information. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes âgées, soit des veufs ou des veuves, qui se posaient des questions. Donc là, moi, ce que j'ai fait, ben, en fin de semaine, là, j'ai pris la peine de communiquer, là, entre autres, avec deux plombiers. Deux plombiers, j'ai parlé avec le plomberie Jonathan Lapointe. Puis là, là, je vous donne les informations. Ben, je veux juste vous dire que demain, là, l'information, la greffière va l'avoir. On va l'afficher sur la page Facebook de la ville. Fait que les gens qui veulent avoir un plombier, Jonathan Lapointe, j'ai discuté avec. Il me donne la permission de mettre son numéro de téléphone. Fait que là, ce que je vais faire, je ne donnerai pas les numéros de téléphone à soir. Parce que là, il y en a qui vont prendre des notes. Demain, ça va être affiché sur Facebook, puis vous êtes responsable des médias sociaux. Vous allez faire le suivi avec la greffière, OK? Donc, plombier Jonathan Lapointe. J'ai parlé aussi plomberie de la baie, Charles Fizette, de la possibilité de retrouver leur service. Fait que là, il y avait la possibilité aussi pour ben là, les excavateurs, tu sais, pour. Donc là, j'ai communiqué avec M. Étienne Bélanger, de Bélanger Couture, que j'ai parlé de la possibilité, parce que moi, je veux encourager les entrepreneurs locaux. J'ai expliqué la situation, fait que lui aussi, s'il y a des gens qui ont besoin d'excavation, sont prêts à offrir service. J'ai parlé aussi à Marc Lebreuil. Marc Lebreuil m'a déjà dit qu'il y a déjà des citoyens qui ont communiqué avec lui. Donc, lui, il est prêt là, aussi là, à permettre ses coordonnées. Mais c'est sûr qu'il y a de l'ouvrage, ces gens-là. Mais ils m'ont dit, oui, Gino, il n'y a pas de problème, tu peux donner un autre nom. J'ai parlé aussi à M. Roland Couture, les excavations Roland Couture, parce que je sais que lui, il en fait plusieurs. Puis, il y a déjà 4-5 personnes. Ils vont mobiliser, mettons, de l'équipement. Puis, je vous dirais même qu'il y a un helper qui travaille avec lui pour donner un coup de main pour pouvoir, tu sais, brancher ces choses-là. Donc, demain, ça sera là-dessus. Puis, pour une personne qui veut pas se casser la tête, puis il dit, moi, j'aimerais avoir un service tout inclus. Ben, j'ai parlé avec David Moreau, que lui, il est prêt, tu voulais l'appeler, il va s'occuper de prendre un plombier, il va s'occuper de se prendre un excavateur, il va s'occuper du branchement au complet. Donc, puis d'un autre côté, là, je vous donne ça, c'est les entrepreneurs. Mais j'aimerais ça aussi qu'il y a des gens au 28, tu sais, il y a des gens là, qui sont débrouillards, puis je sais qu'il y en a qui m'ont interpellé. Moi, nous autres, on serait prêts à donner un coup de main à certaines personnes, ces choses-là. Ben, si vous êtes prêt à donner les coups de main, ben, appelez à la ville, puis donnez votre nom à la greffière, parce que des fois, tu sais, personne âgée dit, bon, mais un tel, ben, il serait prêt à venir me donner un coup de main. Donc, tout ce qu'on veut faire, on va servir ça en client en main. Puis, j'ai avisé Léopold hier que son projet n'est pas terminé. C'est votre conseiller du secteur, hein. C'est votre référence, puis que si vous avez des questionnements, vous passez encore par Léopold, puis la greffière Marilyn, puis Ken, puis le directeur de travaux publics. Ça coûte ça pour vous dire, là. Je sais que vous êtes inquiets, on est dans les dernières semaines, mais écoutez, on fait tout, on a interpellé les entrepreneurs, puis on va y arriver, on va passer à travers. Je pense que l'été prochain, là, on va être bien content de rouler sur la belle asphalte flambant neuf, puis que le monde va être branché, puis ça va être de la guerre en arrière de nous autres. Après que l'asphalte va être mis, le réseau ne sauvera pas. Il va être pris là. Donc ça, c'est super important. Oui, avez-vous quelque chose à dire, M. Leblanc? Y a-t-il un papier qui se promène? C'est un papier qui m'a été remis. Là, oui. Je dirais 2-3 minutes. Oui, pas de problème. Je l'avais pris en note. L'avez-vous pris en note? Oh, oui, j'avais tout pris en note. Merveilleux. Parfait. Là, il y a un autre point, un autre dossier que je voulais vous parler. C'est, comme vous le savez, nous autres, la ville de Grandière, on a un parent. On a un parent, là, un policier, que j'ai organisé une rencontre avec le directeur général. On avait rencontré les cadets au départ, puis on se le cachera pas, là, on sait qu'à Grandière, il y a une problématique de vitesse. Problématique de vitesse dans les rues municipales. On a aussi des problématiques avec les VTT, les 4 roues, on est 4 jours, etc. Donc, tout ça pour vous dire, c'est que on a décidé de mettre la priorité, puis j'ai demandé aux parents de mettre en place un plan d'action spécifique pour la ville de Grandière qu'on appelle une approche stratégique
en résolution de problèmes. Donc, il va y avoir des mesures à court terme, moyen terme, long terme, qui étaient identifiées dans le plan. Normalement, l'agent était supposé être ici ce soir. J'avais demandé de venir avant la séance, de venir expliquer le programme. Mais étant donné que, comme vous le savez, hein, il y a un pape qui est arrivé à Québec, donc ils ont mobilisé beaucoup d'agents, donc il n'était plus disponible pour être ici ce soir. Mais par contre, il m'a envoyé une information. Juste pour vous donner un peu d'idée, là, court terme, là, les mesures qui vont être mises en place, là, il va y avoir une présence policière au secteur rouge identifié. Jean-Denis, afficher les gens, là, tu sais, ce que je suppose, je t'ai donné comme information tantôt, la carte. C'est bon. Parfait. Donc, vous voyez, là, sur la carte, là, les conseillers, vous ne le voyez pas, là, mais en réalité, on a la carte. Puis tout ce qui est en cadre rouge, là, c'est des secteurs qui ont été identifiés pour assurer, là, une présence policière. Il va y avoir, là, des requêtes de citoyens. Les requêtes de citoyens, c'est 35 jours, ça dure. Tu sais, normalement, mettons, on va dire comme à Pabo. Quelqu'un fait de la vitesse, il y a un citoyen qui fait une requête, c'est 35 jours. C'est pas résolu. On en regarde ça un autre 35 jours. La seule chose que les requêtes, c'est que j'ai vu à date, là, parce qu'on a fait deux requêtes, là. Mais il y a beaucoup de citoyens du secteur que c'est eux qui ont payé l'étiquette. Donc, tu sais, on nous demande de respecter les vitesses, mais c'est les gens des secteurs qui ont été arrêtés pour avoir. Mais étant donné que c'était une problématique, on a décidé de mettre un plan pareil. Partage d'informations aux citoyens sur les résultats de nos interventions en période estivale. On parle de mettre des panneaux radars avec vitesse affichée en place. Installation de blocs de béton aux endroits identifiés par le SGT La Voie. Planification d'un itinéraire officiel balisé par la ville. Étude des déplacements salant les commerces. Donc ça, c'est le moyen terme. Au niveau court terme, tantôt, j'ai dit qu'il y avait la présence policière au secteur rouge. Requête citoyen, création d'un plan d'action, ce qu'on est en train de faire. Il va y avoir des demandes de panneaux fatos radar à vitesse affichée. Donc, il y a des projets pilotes au Québec. Donc, on a demandé pour en avoir, pour peut-être avoir deux, trois panneaux dans la municipalité pour pouvoir afficher. Puis, on va les déplacer. Normalement, le sergent est supposé être ici ce soir. Puis, au niveau de long terme, ben, il va y avoir la présence policière au secteur rouge que je vais mentionner. Donc, il va y avoir aussi des déploiements des infrastructures en lien avec les parcours hors route officiels balisés. Changement, là, on veut faire un changement de culture au sein des citoyens de Grande-Guerre sur la sécurité routière. Mesures des actions, c'est les problématiques, évaluation et résultats, puis reconduite aux modifications des actions. Donc, on met vraiment un plan avec des actions. On va faire un suivi sur les actions. Puis le plan, là, c'est qu'au lieu d'avoir deux agents, il va en avoir cinq sur le territoire. Que je veux juste vous dire que pour les prochaines semaines, ben, suivez les limites de vitesse. Parce que autant, puis. Donc, c'est important pour. Parce que là, c'est bien beau mettre des dodans, mettre des bolards. Mais l'an passé, on s'est fait enlever les dodans. Il y a nous qui a brisé les dodans. On avait même mis des pancartes. Mais cette année, on a vu l'utiliser, puis on s'assure que c'est des prêts. Mais il y a des voitures qui avaient circulé dessus. Par contre, le directeur général m'a avisé qu'il en a commandé quatre. On est en attente pour les recevoir. Puis, ce que je veux vous dire aussi, c'est que le plan que je vous ai mentionné, c'est que la majorité des contrevenants identifiés lors des interpellations et des collisions sont des résidents de Grande-Rivière. Les touristes sont généralement en règle et respectent le voisinage. En droit public, ça, c'est un message que normalement, que j'avais demandé le sergent qui était supposé de citer, puis je vais vous le lire. Au niveau des endroits publics, pour circuler en véhicule hors route, aux endroits publics, le conducteur doit avoir au minimum 16 ans. Vous savez, si t'as pas 16 ans, là, t'as pas de permis, là. Il doit posséder le certificat d'aptitude d'une journée offerte par les clubs quad et il doit détenir un permis de conduire de la SAAQ valide. Les classes de scooter, tracteur ou véhicule routier sont acceptées. De plus, le véhicule hors route doit être immatriculé et il doit être assuré. Le véhicule doit aussi avoir un miroir côté gauche et en bon état. Les endroits publics que vous voyez là, sur la carte sont tous des endroits qui ne sont pas par la propriété d'un individu. Rue, route, piste fédérée, terrain de soccer, chemin de fer et son accotement. Les conséquences du non-respect de ces articles de loi sont constat d'infraction.
$250 minimum par constat et la saisie pendant 30 jours ou la remise du véhicule utilisé. Terrain privé. Sur un terrain privé, il n'est pas nécessaire de posséder un permis, une immatriculation valide ou une assurance. Cependant, ce terrain doit appartenir au conducteur ou celui doit avoir l'approbation du propriétaire avant d'utiliser son terrain. Partout, le conducteur et ses passagers doivent porter un casque conforme aux normes. Donc, sécurité routière en véhicule routier. La majorité des contrevenants en matière de vitesse sur les sites identifiés, surtout ceux en construction, sont des locaux. Les conducteurs qui circulent dans les rues résidentielles, ce qui ne font pas leur arrêt, sont aussi majoritairement des locaux. Donc, juste pour vous dire, on a mis un plan d'action. Puis, regardez, là, tout le monde m'en parle. C'est la sécurité, ça prend des dodons, mais comment qu'on mettrait des dodons partout, puis des bolards? On a décidé d'aller vraiment à l'extrême avec un plan d'action sévère. Court terme, moyen terme, long terme, en espérant que ça va avoir les effets escomptés. Donc, je vous demande, la population, dans les rues municipales, respectez vitesse. Puis en passant, là, j'ai même fait le message, puis dans la rue de l'hôtel de ville ici, de Saint-Trent, j'en ai parlé au directeur général, bien, au niveau des travaux publics, les employés de la ville, bien, il faut qu'on respecte ça, il faut qu'on donne l'exemple pour tout le monde. J'invite les conseillers à faire la même chose. Donc, le plan d'action, on va avoir un suivi serré. Puis le but de ça, c'est que c'est pour protéger les enfants. On dit tout le temps que ça prend un village pour élever un enfant. Donc, le but, tu sais, quand on demande une présence policière, puis qu'on s'aperçoit que c'est de plus et plus des locaux qui pognent des contraventions, puis je vous dirais que ça va aller aussi loin qu'on sait c'est qui à peu près les véhicules qui se promènent, la couleur, le modèle. Ben le policier, il va travailler avec le personnel, puis avec les citoyens. Comment faire les démarches, là? Parce que je sais que les gens, des fois, ils ont peur de dénoncer. Ben on va mettre des mécanismes en place, là, pour faire en sorte que les gens réguliers qui respectent pas les codes routiers, ben ils vont être visés, puis ils vont avoir les infractions. Donc, le message que je voulais porter à la population, je sais qu'on se fait beaucoup interpeller, les conseillers nous en parlent beaucoup pendant les plénières, mais on a décidé avec le directeur général d'aller vraiment là, avec un plan d'action. Donc, en espérant là, que ça va avoir les effets escomptés, puis je vous demande de ralentir, puis surtout au chantier, là, c'est bien beau que dans les journées chaudes comme aujourd'hui, qu'on passe pour arroser, mais pour moi, il y a des gens qui pensent que c'est des chaudes boucanes au 28. Là. Il y a des gens qui travaillent, puis ça y a de la boucane partout, donc on faut être vigilant. Là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Un enfant peut traverser n'importe quoi. Donc, je vous demande, mais avec le plan d'action, regardez les coins rouges, c'est tous des endroits publics. Un jeune qui est en bas de 16 ans, qui traverse une rue publique, il se fait intercepter par la police. S'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de plaque, il se fait remorquer. C'est 250$ d'amende, puis remise de l'auto du véhicule VTT, motocross pendant 30 jours. À cause du plan d'action, ben, pour les prochains mois, ça ne veut plus savoir. Mais l'objectif de ça, c'est changer la culture. Puis on veut ensuite, après, mieux encadrer pour identifier des sentiers pour s'assurer de respecter, parce que là, présentement, là, ça se promène partout. Donc, on a décidé de mettre ça en place. L'autre dossier, il y avait aussi les spots, là. Il y a les spectacles demain, je pense que c'est les cousins Elements, ça se peut-tu? Les neveux Elements? Les Elements, donc courant culturel. Donc, je vous invite à aller voir la page Facebook, c'est 7h30, oui. À Lucie? Oui. Parfait. S'il y a de la pluie, est-ce que c'est à l'aréna? Oui. OK. Donc, en cas de pluie, c'est à la Réunion. À l'aréna, excusez. L'autre dossier que je voulais parler, Airbnb, location de roulotte. Juste pour vous dire, c'est que là, on se fait interpeller parce que on a beaucoup de chantiers, puis il y a beaucoup de chantiers qui s'en viennent à Grande-Rivière. Puis je vous dirais que là, présentement, tu sais... on a un motel, on a un hôtel, puis là, présentement, malgré qu'il y a des contracteurs, des employés qui arrivent là, ben il y a des citoyens qui les sollicitent pour venir, là, soit dans une roulotte, ou soit, là, tu sais, donc là, on... Puis vous avez entendu parler un peu ce qui se
se passe à Airbnb, là, tu sais, dernièrement, dans l'actualité, là, c'est de plus en plus sévère. Que moi, là, à soir, je vous en parle, c'est parce qu'il va y avoir un chantier. On va travailler là-dessus. On est en manque de logement présentement, puis on veut s'assurer là, d'être conforme. Donc, tout ça pour dire que, sur recommandation de Mme Nicolas, je pense que Mme Nicolas s'est intéressée là, à travailler sur ce chantier-là. Il y a des initiatives, il y a des mesures qui ont été mises en place par certaines municipalités. Donc, tout ça pour dire qu'on va tout regarder ça là, dans un ensemble. Mais il va falloir qu'on fasse quoi parce que là, présentement, on est en pénurie de logements. Moi, là, écoutez, on travaille avec l'école des pêches. On veut là, éventuellement des antennes universitaires. On veut développer du logement, mais il ne faut pas uniquement que le logement qui est en place, c'est pour des courtes durées. Puis il faut s'assurer aussi qu'il y a des roulottes qui sont utilisées, qui sont affichées sur Facebook. Mais normalement, là, il y a une réglementation qui dit que tu peux utiliser pendant 30 jours pour quelqu'un de la visite, tout ça, mais pas annoncer de mettons, de faire de la location. Là, t'sais, là c'est rendu sur Facebook. On se fait beaucoup interpeller. C'est d'autres dossiers qu'au niveau de l'urbanisme qu'on va avoir à travailler. Donc, je voulais vous en parler. C'est un autre gros chantier au niveau de l'urbanisme qu'on va vouloir corriger. Au niveau l'autre dossier que je voulais parler, ben, au niveau du logement locatif, là, on avait été en appel de projet, ça s'est terminé au 30 juin. On était toujours en attente là, de savoir là, le règlement qui avait été déposé, savoir que tout est conforme. On a reçu une nouvelle comme quoi qu'il y avait certaines modifications. Tout ça pour vous dire, c'est que l'article 133, là, la municipalité de Grande-Rivière, on est la première municipalité au Québec qui a déposé pour mettre là, cet effectif-là en place. Donc, malgré qu'on s'est fait accompagner par une firme d'avocats spécialisés qu'eux ne sont pas nécessairement en accord avec la décision. Mais tout ça pour dire, c'est que moi, en discutant avec quelques entrepreneurs qui m'ont montré l'intérêt, c'est que là, avec l'augmentation du taux d'intérêt, coût d'inflation, c'est sûr, tu sais, que on se le cachera pas, hein. On montre les intérêts, pourquoi, pour faire en sorte que ça se consomme moins. Donc, mais tout ça pour dire, c'est que le projet est monté, tout est là, on va réévaluer la situation. Puis j'ai demandé au directeur général, étant donné qu'il est rendu qu'il travaille les fêtes de semaine pour faire les suivis, réseau d'égout de caduc, caserne de pompiers, piste d'athlétisme, que j'ai dit qu'on va finir ces gros chantiers-là, puis quand ça va être le temps du logement locatif, ben il y a la période des vacances, donc on va se mettre là-dessus. Donc on va le retravailler, mais on dirait là, c'est juste côté administratif, on va aller de l'avant. Donc c'est une information, mais il y a des gens qui ont montré de l'intérêt. Par contre, il n'y a pas nécessairement de personne qui a manifesté directement à la municipalité. Mais moi, j'ai eu des appels là, comme quoi qu'il y avait de l'intérêt là, pour travailler sur certains projets. Mais dans un si court délai, puis je vous dirais même qu'il y a des gens qui pensaient investir ailleurs, qui songent peut-être de réinvestir à Grande-Rivière. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ce soir, on a souligné avant la séance conseil municipal, ben, Adelaide Metut, médaille de gouverneur, Nancy Walker, prix d'excellence, là, unité sport et loisirs. Donc, félicitations. Bien heureux d'avoir accueilli les gens présents avec leur famille pour célébrer ce moment-là. Je pense que Grande-Rivière, on est privilégié d'avoir des bénévoles comme ça parce que ils donnent beaucoup de temps puis c'est beaucoup apprécié. Donc, je voulais prendre le temps du maire pour exposer là, la gratitude là, à l'ensemble des bénévoles qui donnent du temps là, pour la municipalité. C'est beaucoup apprécié. Puis quand on a la possibilité de faire une certaine reconnaissance, ben on le fait. Donc, concernant le monde du maire, je pense que ça a fait pas mal de tours. Je pense pas que j'oublie à rien. Donc, demain, ce qui est important, ça devait être les noms des contracteurs avec les numéros de téléphone. Puis, Léopold est toujours là comme conseiller sur les questionnements. Mais je pense que Marilyn, comme greffière, puis M. Moreau, vous allez être en mesure d'avoir les informations. Donc, point le monde du maire, c'est fait. Donc, on serait rendu. Période de questions, ça a été fait. On serait rendu à la levée de la séance. Donc, il est 9h15 présentement. Donc, il est du moins proposé par... Paléopold Briand est résolu à l'unité des membres présents.
que l'ordre du jour est épuisé, 9h15. Merci, bonne vacances.